match compliqué, une défaite. C'est toujours de. Toujours un peu amer de finir sur une défaite. Mais voilà, c'est qu'un match amical. On se prépare et on espère Inch'Allah que ça va aller pour les prochains rassemblements, parce que là ça va être des matchs officiels. Qu'est-ce qui a manqué au Maroc ? Un peu de chance. Je pense qu'on n'a pas, eu de chance. On fait beaucoup d'erreurs aussi. Je pense qu'à nous de rectifier les petites erreurs qui font que ça paye cash face à ce genre de joueurs. Et voilà, Inch'Allah, ça va aller mieux dans le futur, j'en suis sûr. Amin, vous étiez le meilleur joueur à Schalke 04, est-ce que ça va aller dans la même ligne? Bon, moi je retourne à Schalke pour travailler, Inch'Allah, ça se passe super bien, je suis heureux à Schalke et ça va continuer comme ça. Amin, on a perdu, donc on n'est pas satisfait, bien sûr, du résultat. Et je pense qu'offensivement, il y a eu du progrès, on a créé beaucoup d'occasions, après les buts qu'on a reçus. C'est un peu des bêtes buts, il faut qu'on travaille sur ça, plus de concentration. Et voilà, on travaille petit à petit, même si les résultats pour l'instant sont pas positifs, mais on essaye de progresser à chaque fois. La blessure. Bah, j'en ai pour une dizaine de jours, donc c'est une petite blessure à l'adducteur, rien de très grave, mais bon, j'aurais bien aimé aider mes coéquipiers aujourd'hui sur le terrain, mais voilà, j'ai eu cette blessure et j'espère que ça a envie de guérir. Qu'est-ce qui a manqué aujourd'hui côté offensif? De concrétiser les occasions, je pense, parce qu'on a eu beaucoup d'occasions. Donc c'est un point positif. Bien sûr, il faut les mettre dedans après. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a eu plus d'occasions que contre la Libye. Juste, il faut qu'on soit plus réaliste. Et défensivement, il faut qu'on travaille aussi. Pas seulement un défenseur, défensivement, c'est toute l'équipe. Parce que prendre 3 buts à domicile contre le Gabon, c'est pas bon pour le Maroc. Donc voilà, on travaille et Inch'Allah, ça ira. Merci. Bon courage.